en restant avant que la bombe n'explose, 55 secondes. Estimation du rayon d'action de la bombe, 5 mètres. Temps nécessaire pour mettre la reine en lieu sûr, 12 secondes. Solution, traverser la foule, voir Millie pour la première fois. Oubliez la bombe. Non ! Restant 37 secondes. Solution, tirer sur la colonne d'eau pour noyer la bombe, se souvenir de Millie au parc et oublier la bombe. Non, j'ai encore oublié la bombe! Watson, que faites-vous dans ma tête? Vous avez vu? J'y arrive! J'arrive à communiquer par télépathie! C'est difficile. Je tente d'élaborer un plan et je ne cesse de me déconcentrer. Holt! Non, il ne faut pas! Ressaisissez-vous! Je n'y arrive pas, je suis trop émotif. Regardez derrière moi, la reine est en train d'éclater en morceaux! Vous allez devoir me remplacer. Prenez les choses en main, soyez un bon détective. Très bien. Je sais ce qu'il faut faire. Estimation du rayon d'action. 20! Non, 30 pieds! Tenir compte de la vitesse du navire, c'était 4 ou 7. Est-ce que ça peut être dur, les maths? Une seconde, c'est quoi le X? À moins que ce soit un plus. Et ça là, c'est quoi? L'angle d'approche? Je ne comprends rien aux angles. J'aurais dû écouter en classe. On aurait pu mettre chargeur. Laissez-vous. 9. 8. Bougez. Pour Sherlock Holmes. Sherlock Holmes a sauvé le Titanic. Sherlock Holmes avait raison sur toute la ligne. Merci. Merci. Mais je n'aurais jamais réussi sans le docteur Watson. Non. Le nom de Watson sera à jamais associé au Titanic. Quand vous penserez à vos amis et à vos proches à bord du Titanic, n'oubliez jamais que c'est le docteur John H. Watson qui a permis ce voyage. Merci. Bravo, Watson. Docteur Watson, vous nous avez sauvé la vie. Merci. Ce fut un plaisir de vous servir, Votre Majesté. Millie,